Hello tout le monde, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, voilà, petite vidéo un petit peu spéciale. Nous sommes dehors, il fait chaud, en Haute-Savoie. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ce petit bouton qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas. Puis allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, la petite sortie spéciale, nous sommes en Andilly, en Haute-Savoie. Journée médiévale, voilà. Donc c'est les médiévales d'Andilly, c'est un spectacle qui se déroule sur deux week-ends. C'est fort sympathique, voilà. Donc il y a surtout de la bouffe, du spectacle, des animations, et en fait nous sommes pendant l'époque médiévale, voilà. Donc on va regarder ça, puis allez, c'est parti, suivez-nous, puis bonne journée hein. Toutes les navettes ne desservent pas les mêmes parkings. Veillez à ne pas vous tromper. Tous les participants. Please write your phone number on the line. Voilà, passage sécurité passé. Maintenant, on va chercher les billets. Enfin, on va essayer d'avoir les billets. Ils sont là, je les ai. Bon. Tiens. Ah. Prendre un petit programme quand même. Non, hop là. Elle m'a dit la dame. Nous sommes des chameaux, nous sommes rentrés dans le parc des médiévales depuis maintenant 2 ans qu'on n'a pas pu venir. C'est quoi? 2 ans, ouais. Voici un peu l'ambiance. Ouais, mais bon, on va aller faire 2-3 petits tours, voir ce qu'il y a de beau. Et puis il faudra qu'on regarde ce qu'il y a comme 2-3 petits spectacles sympathiques à faire. Par quoi commence-t-on? À faire déjà un petit tour. J'ai un petit coup de baladage, et puis de baladage. C'est ce qu'on appelle un petit peu chiller. Ah, c'est ça. Voilà. On fait un petit tour, voir quelques spectacles et puis on verra bien. Puis de toute façon, on est là pour plusieurs jours. Tiens, ça c'est nouveau ça. Hein. Les essais là, c'est un peu évolué. Hein. Fondeur d'étain. Hein. Ça. Après, il y a d'autres façons. Il y a des gens qui sont des conseils. C'est tout ça. Elles sont chouettes. Il y a une pizelle, on peut essayer. C'est des chouettes. Et ça fait un tour. Thank you.
Ah, du savon. Oui, non. Bon, premier petit achat bouffe de la journée. Et, ah ouais, je vais acheter mes mini beignets. Ça fait 2 ans que j'ai pas pu en avoir. Donc direction la boulangerie. Tu veux autre chose toi aussi, chouchou? Bonjour. Je vais prendre des mini beignets au, alors, c'est quoi, aux fruits. Ouais. C'est là-haut. Ah bon, bon bah ça fait un peu de soif, donc on va désaltérer un petit chouille. Allez hop, une petite boisson dégueu. On va se mettre là. Bon bah santé, avec modération. Hein. Plus là on est sur l'esplanade des joutes. Ah ça fait beau, ça fait chaud. Et surtout faut se désaltérer. Hein. Parce que là... que jamais. Malgré ses 80 ans, il mène ses troupes au combat. Lord Talbot a été blessé à la jambe par un tir d'artillerie. Bon, quand même un petit creux, on va quand même chercher un petit truc à manger. Je pense une petite saucisse ou quelque chose dans ce style parce qu'il fait vraiment chaud. Donc juste pour casser un peu l'envie de cette faim, ça peut être pas mal. Hein. Bon, sinon j'espère que ce petite journée vous plaît. En tout cas, bah, continuez à me suivre. Puis allez, c'est parti, on enchaîne. Un petit peu de musique où il y a des volailles, c'est toujours cool ça. Qui est en train de retirer la volaille derrière, franchement c'est royal. Donc bon allez, toujours pas trouvé ce que je voulais, donc on va continuer le petit tour et on espère trouver quelque chose. Bon,
miroir, si vous voulez voir ce que ça donne. C'est une queue par bonheur. C'est du faux. Oui, c'est du faux. Oui, ça, on avoue, c'est du faux. C'est tout doux. Et c'est marqué. Tous les haters éventuels. Et on a demandé. Synthétique. C'est synthétique. C'est faux. C'est de la fausse queue. C'est adopté en frémousse. Merci beaucoup. On va pas remettre. Non, elle est bien. On va pouvoir mettre. Bon, façon Güler, on a dit que c'était quoi? C'est l'heure du goûter, c'est l'heure ça, goûter. C'est 16h, plus ou moins 16h, enfin c'est avant, 15h30. 15h37. Voilà, donc l'heure du goûter, et puis après c'est spectacle, c'est quoi, l'ours Valentin, dressage d'une ours, enfin c'est, je ne sais pas si c'est lui qui a dressé l'ours ou c'est l'ours qui l'a dressé, en fin de compte, c'est excellent, donc on ira voir ça après. Donc bah déjà, goûter et puis bon spectacle, à plus. Spectacle en même temps. Il est bon, moi, le. Ouais, c'est gras, mais bon, c'est vrai. Hein? Il y a des créatures bizarres dans le parc, moi, je dis. Je vais arriver au milieu et ça va être spontané. Moi, je vais encore recevoir des petites culottes et tout, un truc de psychopathe. Attention, j'arrive, c'est moi. Si on n'était pas en France. En France, tout doit être extrêmement compliqué. Ça peut pas être simple. Alors, le ministre de l'Environnement vous colle des obligations. Et on a eu un ministre de l'Environnement qui était une dame, mais pas rigolote du tout. Elle nous en a fait baver, elle nous a collé des normes, des obligations, des trucs. Heureusement, on n'a plus jamais entendu parler d'elle après. Elle s'appelle Elisabeth Borne. Elle va nous faire chier, celle-là, vous allez voir. Hein. En tout cas, quand elle était ministre, pour nous, c'était un enfer. Alors, genre, elle nous a imposé que je tienne l'ours en laisse pour l'empêcher de s'échapper. 250 kilos, Madame Borne. Donc l'ours aura donc ce collier, qui n'est pas étrangleur, il n'y a pas de pointe, il n'est pas électrifié. C'est exactement le même modèle que pour un caniche. C'est les gros caniches qu'on ne connaît pas. Hein? Alors ensuite, ces gens dans le ministère sont des gens qui réfléchissent. Ils se sont dit, le mec, quand même, l'ours, il fait 250 kilos, on va faire un truc. On va vous demander d'installer une clôture électrique entre le public et l'ours pour éviter que l'ours parte dans la foule. Moi, c'est la loi, je fais. Installation d'une clôture électrique, elle est là. Ils n'ont pas écrit branchement. Hein.
Bien vu. Non mais ils veulent nous emmerder, on peut être deux, hein. Ah ouais. Alors après ils ont rajouté, vous devez installer une seconde clôture pour le cas où l'ours passerait le fil électrique. Alors l'équipe de bénévoles d'Andilly a installé le filet là. Il y a un très léger trou devant. Mais très grave. Nous quand même, on est des gens raisonnables, on a prévu une troisième clôture de sécurité. Les gamins du premier rang sont tous affichés. Ah c'est bien, il a évacué. Merci monsieur. Que des gamins, vous travaillez un peu, s'il vous plaît. Alors quand on a un ours comme ça, capable de griffer, le top du top, c'est l'ours féroce au cinéma. L'ours menaçant, c'est l'ours qui se met debout sur les pattes arrière, évidemment. Hein? Alors, pour les gens qui ont la télé, regardez la pub Chris Prolls qui passe en ce moment. C'est Valentin qui fait le méchant, qui montre les dents, qui se met debout. Alors c'est pas ce qu'il préfère, parce que se mettre debout, ça lui demande un effort. Mais on va essayer quand même. Allez Lou, il y a un moment là, tu viens? Allez, viens, 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 hop, Valentin, on y va. Valentin, allez, 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 fais le méchant, vas-y, faut qu'on y croit quand même. Hop, vas-y, à ouf, hop, fais, allez, fais le méchant. Ouais, on y croit, c'est top. Je lui donne le bonbon? Oui. Ah, parce qu'il peut attendre aussi, hein, c'est pas... Non, mais Lou, arrête. Non, mais je sais que vous, ça vous fait marrer, mais... C'est un mâle et c'est la saison des amours. Alors ça serait bien qu'il descende assez rapidement maintenant, vous voyez. Voilà, Valentin, si tu descends pas, ces bonbons, c'est plus pour toi, c'est pour moi. C'est bon. Non, dégueulasse. Allez, descends, c'est pas tard pour les chemins. Merci beaucoup, Carlos. C'est maman qui va le ramener. La sortie, ça sera plutôt par le haut, je crois. Et je vous propose de raccompagner Valentin sur le secret de la sagesse que son grand-père nous enseignait à nous, les grands, quand on était encore petits. Ça faisait un peu ça, je crois. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ça aussi, on est en train de l'oublier. Merci beaucoup. Bon, après spectacle, boisson, est-ce que ça fait fête? Léa! Enfin, ça fait surtout soif en fait. Élise de Moulin. Oh ben voilà, ça peut être pas mal par ici, boire un petit truc par là. Hein. Allez hop! Ah. Avec la chaleur, les spectacles, une petite bibine. Ah, c'est bon ça. Petite bière verte, c'est quoi? Je n'épiche si je me trompe pas. Bon, allez, c'est parti. J'ai vu un petit truc avant dans une petite cahute. Ah non, c'est la bamba, voilà. C'est quoi, c'est une espèce de pomme de terre en tortillon frit. Tu peux goûter? Oui. Bon, bah, on va goûter, allez, c'est parti. Faut déjà le retrouver dans le site, hein, déjà. C'est compliqué. C'est pas compliqué, mais vu qu'il y a beaucoup de petites artères, faut retrouver. Bon, allez, c'est parti, à la chasse, à la patate. Bah, où on s'arrête, puis juste pour goûter le petit truc, là. Un petit spirello, ouais, c'est pas mal. Une espèce de petit truc de la pomme de terre. Ouais, c'est de la pomme de terre qui est coupée tout finement à tirer. C'est des chips. Ouais, c'est de la chips de patate. C'est bon, t'arrives à y prendre? Bah, comme ça même. Ah ah. Ça, c'est bon. Faut connerie. Allez, c'est parti. D'ailleurs, un dernier réclame. Je vais aller m'installer. Attention à vous. Jeune homme. C'est
c'était notre agréable. C'est quoi? Le petit repas du souper, puis après c'est le spectacle, les joutes nocturnes, c'est ça je crois. Le spectacle de nuit enfin. Bon, on verra bien. Allez hop, c'est parti. Car voici maintenant le peuple des géants, et c'est à eux d'ouvrir le bal. Restez bien concentrés. Oh, vous n'avez pas entendu un truc là? Attendez, on va le refaire, mais vous mettez tous le volume max comme eux, d'accord? Surtout vous, hein. Allez, c'est la dernière, l'unique, la finale du week-end. 3, 2, 1. Bon ben voilà, fin de journée assez médiévale, fatigant on va dire, chaudement, bien bu, bien mangé. En tout cas j'espère que cette petite vidéo et ce petit final vous ont plu. Nous c'est, comment on dit, fatigant mais super cool. En tout cas, profitez bien, j'espère, profitez bien, oui je suis un peu fatigué, c'est normal. Donc profitez bien de cette vidéo, enfin j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des petits pouces, de partager et puis portez-vous bien, à la prochaine. Allez, ciao ciao.